Bah donc, comme vient de le dire Jean-Pierre, donc je suis vraiment la candidate du parti Europe Écologie Les Verts. C'est un parti auquel j'ai adhéré quand justement il s'est transformé en Europe Écologie Les Verts. Et j'ai adhéré dans l'esprit en fait d'être dans un mouvement en fait en évolution qui s'ouvrait vraiment sur les autres, sur la société civile, mais aussi sur tous les mouvements syndicaux, associatifs, qui, d'une manière ou d'une autre, donc s'intéressent à l'écologie politique. Et donc, j'ai particulièrement confiance dans le dialogue, dans le collectif, dans la coopération plutôt que dans la compétition. On est en situation de crise globale, hein, économique, sociale, écologique, et c'est pas du tout par l'alternance qu'on va en fait être dans les bonnes solutions. C'est vraiment justement en portant une alternative, en sortant des sentiers battus, mais en même temps, c'est ça qui est assez compliqué, il faut aller en même temps vite, un changement radical, mais il faut aussi que ce soit concerté et que ce soit avec tout le monde, parce que ce changement-là, de toute façon, il peut s'opérer que si chacun est acteur de ce changement. J'ai pas non plus envie de me présenter comme une prochaine députée providentielle qui va tout régler dès qu'elle va être élue. Je suis plus donc dans l'action collective, mais je pense que l'institution aujourd'hui, elle souffre aussi d'un phénomène d'entre-soi. On est entre personnes politiques qui sont assez souvent des très anciens de la politique et qui ne sont plus forcément en prise avec le terrain. D'apporter à la démocratie participative le complément de participation en renouvelant. Donc y a des solutions hein, qui sont dans le programme d'Europe Écologie Les Verts, qui propose une 6e République. Donc il y a des mesures phares, comme par exemple le non-cumul des mandats, aussi bien dans le temps que dans le nombre. Et là, on a besoin de solutions nouvelles. Donc, je pense, par exemple, tout à l'heure, on parlait de Briec, la centrale qui est prévue à Briec. Bon, tout le monde sait très bien, et ça faisait vraiment consensus parmi tous les gens qui se sont exprimés l'autre jour dans la salle, ça fait consensus qu'on est dans une impasse. Il faut vraiment passer à autre chose, à un changement radical. Et pourtant, on est en train de choisir une solution de transition lente. François Hollande, par exemple, lui, ce qu'il préconise, c'est des ajustements en fait au système actuel, alors qu'il faut vraiment aller très vite. Et en plus, comme on est en crise de dette, on n'a pas beaucoup d'argent public à gaspiller aujourd'hui. Donc tout l'argent public qu'on a, il faut qu'on le mette vraiment dans l'urgence. Donc l'urgence aujourd'hui, c'est les énergies renouvelables, c'est la maîtrise de l'énergie pour réduire aussi la précarité énergétique, parce que en même temps, comme je disais, on est dans une crise sociale où il y a de moins en moins de gens qui peuvent se chauffer. Hein, il y a des millions de personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas se chauffer. Donc si on se tourne pas vers ces gens-là pour justement leur donner les moyens d'avoir des logements isolés, qui vont du coup faire d'une pierre deux coups, hein, c'est-à-dire leur apporter du confort et en même temps limiter l'effet sur le climat. Au niveau national, en fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est de passer à une autre agriculture. Et au niveau national aussi, on se préoccupe des plans algues vertes. Hein, et aujourd'hui, ce qui est incompréhensible, enfin, ce que je veux montrer, c'est que en fait, ce que je veux vous faire passer, c'est que sur le local est dépendant du local dépend le global, et quand on pense global, on agit local, et que moi je m'inscris dans cette pensée-là en fait, puisque si je vous cite l'exemple de la ferme de Carlavic, c'est parce que effectivement on a le problème des algues vertes, on a des plans qui sont aujourd'hui en discussion au niveau
national et même au niveau européen, et que dans le même temps, on a une fracture qui s'est opérée entre le monde agricole et la société civile, qui n'arrive plus à dialoguer, alors qu'il y a plein d'agriculteurs qui se plaignent, qui ont envie de renouer ce dialogue, qui se plaignent de leurs pratiques dans lesquelles ils sont un petit peu dans un cercle vicieux en fait, qui se plaignent également de leurs revenus, parce qu'ils ont, la Bretagne, on est dans les deux dernières régions au niveau des revenus agricoles, donc ils se plaignent de ce système, et c'est à ce moment-là qu'on ferme localement un lieu de dialogue entre la société civile et le monde des agriculteurs, qui a au moment où on a le plus besoin de ce dialogue. Et puis enfin, la crise du politique, en fait est une crise de la démocratie représentative, hein, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Et cette crise du politique, comme je le disais tout à l'heure, il faut effectivement passer à autre chose, donc une 6e République, et également favoriser un maximum la participation citoyenne à tous les niveaux, que ce soit au niveau local, donc comme on le fait actuellement à Quimper dans les conseils de quartier, mais aussi donner beaucoup plus de poids dans les décisions aux associations, puisque les associations ont aussi une expertise. On inscrit volontiers en fait tous les constructeurs et les technocrates dans les procédures de décision, mais malheureusement on n'associe pas, on oublie les citoyens et on oublie toutes les associations qui ont leur expertise. Donc à tous les échelons, il faut remettre de la participation, de la citoyenneté. Voilà.